Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Un peu de silence, s'il vous plaît. La chorale qui est en ce moment devant la tribune va chanter maintenant Bella Ciao. De la même façon,
Xavier parlait très justement des cotisations sociales, alors qu'on entend de façon récurrente parler de charges sociales, mais celle qui, moi, toujours me fait bondir et qui renvoie au fond à la conversation que nous venons d'avoir, c'est que les syndicalistes acceptent de se faire nommer par les organisations patronales comme partenaires sociaux. Les syndicalistes n'ont pas été partenaires. Le travail est absolument absent, il est absent de l'univers imaginaire français. Alors on peut s'interroger pourquoi, je crois, alors il y a des raisons sociologiques, peut-être un peu longues à expliquer, mais il y a quelque chose de plus grave, c'est que, bien entendu, cette absence a finalement des fondements idéologiques. Molière aurait dit « cacher ses ouvriers que je ne saurais voir ». Donc on ne veut pas les voir parce que le modèle pensé par les organisations patronales de l'emploi du futur, c'est l'intermittence. Vous avez tous entendu parler du combat des intermittents du spectacle et on peut se demander pourquoi, depuis tant d'années, il y a ce combat sur une chose qui concerne grosso modo 200-250 000 personnes en France. Ça n'est vraiment qu'une peu de choses. Mais ce qui est très important, c'est que ce modèle-là, c'est le prototype de l'intermittent. C'est un, enfin, c'est une sorte d'éprouvette de ce que sera l'emploi du futur. Alors, je vais vous présenter quand même les gens qui sont sur la scène. Donc, Didier Magnin, président de CRHA. Aline, étudiante. Donc, Stéphane Hessel, inutile de le présenter vu l'année qu'il vient de vivre. Florence, membre de Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui. Léon Landini, ancien résistant, FTP, toujours très actif. Charles Papron, résistant aussi breton, qui s'est illustré en refusant le diplôme que le gouvernement de Nicolas Sarkozy leur a envoyé à l'automne dernier, il leur a envoyé des gens dans la République. Le 8 mars 2004, 13 vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre lançaient un appel aux jeunes générations, dénonçant notamment la remise en cause du socle des conquêtes sociales de la libération. Troisièmement, afin de garantir la fraternité. Travailler les coopérations avec les peuples et les pays en refusant l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Avec l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, nous appelons tous les partis politiques, toutes les candidates et candidats à un mandat public dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2012 à prendre trois engagements qui mettront réellement en application la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Droit à la santé pour tous, droit à une retraite, droit à l'éducation, droit au travail, droit à la culture demeurent les seuls véritables garants de l'égalité républicaine. Une égalité qui n'a de sens que dans le respect du droit des étrangers. Il est temps de bien vivre ensemble dans la haute nécessité de l'épanouissement du plus grand nombre et d'offrir une perspective d'avenir prometteur aux jeunes générations. Plus que jamais, comme le proclamait en 2004 l'appel des résistants aux jeunes générations, à ceux et celles qui font ce siècle qui commence, nous voulons dire avec affection. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Je voudrais quand même vous rappeler que vous êtes ici parce qu'une association qui s'appelle Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui vous a invité à vous rassembler, à tous les républicains, avec comme seul objectif, c'est de manifester votre esprit républicain, votre valeur républicaine, la défense des valeurs républicaines, et contre toute dérive auxquelles nous assistons à l'heure actuelle. Le combat contre le fascisme n'a pas commencé en juillet 40, s'il vous plaît. Il a commencé en 1933. Il a commencé avec toutes les batailles qui se sont livrées. Le hashtag Hitler, le procès de Nuremberg a fait la démonstration que c'est l'industrie lourde qui a mis Hitler au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est les minutes du procès de Nuremberg. Et il est clair que le combat du Front populaire, le combat qui a été mené, a créé des bases pour la résistance. Un autre fait qui est incontestable sur l'engagement des communistes, c'est que les RTP et les RTP-MOI ont représenté, et de loin, la force la plus importante, et en particulier, puisque je suis représentant d'une association d'anciens RTP-MOI, beaucoup d'historiens aujourd'hui disent les RTP-MOI fer de lance de la résistance armée française. Je crois que ces choses-là doivent déjà essayer de rentrer dans les têtes et de comprendre certaines choses. Oui, oui, je pense qu'il y a des possibilités réelles. Et il y a actuellement en France, mon ami Léon ne me démentira pas, il y a une formation qui rassemble des communistes, qui rassemble des socialistes, qui rassemble des gaullistes. On a assisté un jour à Paris à quelque chose d'assez extraordinaire. Il y avait là deux amiraux actuels de la marine française, jeunes retraités évidemment, parce qu'ils n'auraient pas eu le droit de voir de réserve de s'exprimer avant. Mais il y en a un qui nous a fait un exposé militaire sur l'engagement de la France aujourd'hui dans les conditions que l'on connaît, qui était remarquable, remarquable, et qui a fait la démonstration que la guerre d'Irak, on avait eu raison de ne pas y aller parce qu'elle était perdue. L'Afghanistan s'est perdu, c'est-à-dire toutes les guerres coloniales sont perdues aujourd'hui parce que l'OTAN a récupéré Nicolas, ou Nicolas a pleuré pour rentrer dans l'OTAN. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il avait fait avec l'OTAN? Me semble-t-il qu'il a... Parce que cela, je l'ai vécu, voilà. Comment pouvons-nous marier l'eau et le feu? C'est impossible. Donc je crois que là-dessus... Je demande simplement qu'un débat courtois ait lieu, oui ou non, les anciens résistants sont-ils pour sortir, et le peuple français, parce que les anciens résistants disent ce qu'ils ressentent, eux, bien sûr, mais ça appartient au peuple français de décider, et je crois que, moi, ça fait déjà, j'avais voté contre Maastricht, n'est-ce pas, 55% des Français ont voté contre la Constitution, et là, je me permets de dire que les Français n'ont pas voté contre la Constitution. Pour une simple raison, ils ne l'ont pas lu. Ils ont voté contre cette Europe qu'on leur imposait et qui ne leur convenait pas. Et le non-respect de ces 55%, on nous impose le pacte de Lisbonne, n'est-ce pas, qui est la sœur jumelle de ce que nous avions refusé à 55%. Alors aujourd'hui, il me semble que pour le moins, courtoisement et fraternellement, ça mérite un débat. Jean-Bénin.